Salut les gens, c'est Tardarine. On se retrouve pour la suite de notre multi Les Lions du Nord avec le signe noir Brudaf et Slan. Bonsoir les gars. Salut, salut. Coucou. Alors quoi de beau au programme aujourd'hui? Ouais, on va sûrement rattaquer le jaune pour du coup. Marcher sur des jaunes. Bah relâche la peau, j'ai des guerres à mener. Hop là, c'est parti, allez hop. Allez hop, troisième guerre. Moi de mon côté, je déglingue l'Autrichien. Le Portugais va prendre tout le Mexique d'un coup pour être sûr de bien le contrôler. Non, je vais pas prendre tout le Mexique d'un coup, là c'est en Amérique du Sud que j'ai déclenché une guerre. Allez, on va aller mettre une petite fessée à notre ami autrichien avec des troupes en forme. Ah bien, j'ai des sièges qui sont enfin tombés. Tiens, pourquoi il a perdu son drapeau noir et pas l'autre là? Ah putain, parce qu'on est passé là. Milan. Le pape va bientôt sortir de la guerre. Hein. Il est en train de se faire défoncer la mouille. Il y a des chances, ouais. L'Autriche veut passer, mais qu'elle passe. On est en guerre contre ça. On est en guerre contre qui? Ouais. Elle peut passer. Elle ce truc-là, ce truc-là. Ah oui, puis tout en bas là. Bon, bah. Je suis surpris. Venise ne peut pas prendre Bologne. Venise ne peut rien prendre parce que Venise a pas assez de points admis pour légitimer tout ce que j'ai pris en Inde. Donc j'attends. Cette tristesse. Donc j'attends, tout simplement. Ça sert à rien que j'attaque. Tu vois le Mamelouk, on est tout autour du Mamelouk. Non, tu vois probablement pas, mais j'ai 200 000 hommes autour du Mamelouk. Et ils font rien. Ok, l'Autriche c'est Stackwipe, ça lui apprendra à venir me faire chier chez moi. Ah, j'ai pas vu, mais il y a deux petites troupettes là-bas, on va aller les chercher. Est-ce que j'annexe Karakoy? Allez hop, en avant l'assaut. Alors, est-ce que tu peux me donner siège. Toutes les terres autrichiennes, mon très cher? Je suis en train, justement. Merveilleux, merveilleux. Ouais, hop là. Une de moins, deux de moins, parfait. Vas-y, recommence à dessiéger tout ce que l'Autrichien a siégé. Ah, il reste quelques troupes chez toi, le signal. J'y travaille. La seule armée que j'avais là-bas, elle était en entraînement, alors elle les a un peu ralentis, mais c'était pas très très brillant, on va pas se mentir. Je ne pourrais plus valider. En plus, il a une tech d'avance. Fin de la guerre au Mexique. Bravo à toi. Bon, ça n'empêche pas de le stack, ouais, visiblement. C'était dur comme guerre au Mexique ou on est tiré? Ça allait. Ils ont été tapés, mais mes colonies au sud. Moi, j'ai pris le territoire au nord. On partage. Ouais. Alors, réforme les bourgs pourris. Gain de 1 en stable, bourg pourri cesse de faire effet. Ou alors, plus de colons. Rien que le nom de bourg pourri. Un peu bourg palette, mais version naze. Je veux bien finalement que ça cesse de faire effet, ouais. Est-ce que t'as des hautes herbes avec des Pokémon dedans? C'est ça la question. C'est un peu ça, ouais. Voilà, bon pour vous, c'est de faire effet. J'ai gagné un de stab. Regardons un peu comment ça se passe dans le coin. Il y a toujours la ligne de fort. Ok. N'empêche que. Hein, ils résistent, hein, les états pontificaux. Hein. Ils vont même se faire dessiéger. Tu vas pas essayer d'empêcher les mecs de terminer le siège à côté de toi là? Si, mais j'attendais que mes 25 autres 1000 soldats arrivent, hein, parce que... T'es capable de te les faire avec les 20 000, je suis sûr. Mais en fait, la province, c'est juste des collines, donc c'est pas forcément suffisamment à mon avantage. Et comme ils vont probablement se replier sur Spolette, après j'aurai plus de troupes pour pouvoir aller stack wipe. Monsieur cela joue stratégique. On va aussi envoyer quelqu'un là. Hop.
J'ai même pas assez de troupes pour faire le siège de... Tu me détestes à ce point-là, Thuringe ? Ah oui, moins 253 d'expansion agressive, oui, oui, ok. On se demande où t'as chopé tout ça. Ouais, tout à fait, ouais. Moins 56 de territoire illégal, moins 92 parce que je leur ai imposé la vassalisation. Franchement. J'ai 27 000 hommes sur la forteresse et ça veut pas tomber ? Faut jamais imposer la vassalisation. Bah c'est pas moi, c'est... Il vaut mieux c'est prendre et relâcher. C'est le teuton qui l'a fait. Ah bah il l'a fait exprès. Non, je lui ai demandé s'il voulait, il a dit oui. Oui, oui, bah non, bah, c'est pas que ça me dérange. Hein. Bah, tu pourras jamais l'annexer. Tac. De toute façon, je peux pas c'est le faire grossir, temps, donc... Ah si, mais il y a Würzburg pas loin. Il y a des casus belli, ce monsieur. Ouais. Pouf. Bon. Bien, Salzbourg, c'est en... Salzbourg, pardon, c'est enfin siégé. Hop là. Qui c'est qui l'a mis en déroute ? N'importe quoi. Ça fait combien ? Bon, de ce côté-là, on est à 11, on est à 60. Est-ce que le Scandinave, il est toujours... Non, il est plus allié aux Pays-Bas, c'est bien ça ? Non. Ils ont cassé l'alliance parce qu'ils m'aimaient plus. Toi. Ouais, ils sont en quoi contre moi. Des méchants, méchants. Yep. Trop long tout ça. Il y a encore 3000 Autrichiens qui sont en Europe du Nord. Ouais, j'ai la flemme de les poursuivre, donc je les laisse. Ils savent pas quoi faire de leur vie. On va le prendre ça. Hop. Ça va nous aider un peu. Poum, poum, poum. Bah, la case prépare à attaquer Brunei. Bah oui, et je vois ça. Il se semble demander l'autorisation. C'est honteux. Bon. Bon, elle va tomber cette forteresse là que je claque les dernières hérétiques du coin. Faudrait que je fasse quelques forts dans le coin là. J'ai quand même bien déshérétiquisé tout ça. Oh, mais tu tapes un indigène, automatiquement il se met sur la province d'à côté. Bah oui. M'énerve. C'est le cas de Billy, il se pousse. Hein. Quand tu lui prends sa terre, s'il est nomade, il se déplace, c'est tout. Bah oui. Fallait tuer tout le monde. Faut les entourer d'abord. Le Lord Teutonique qui n'est pas assez nombreux pour faire un siège. J'aurais vu ça une fois dans la game. Et oui, c'est... non, parce que je m'en fous de là-bas. J'ai posé 9000 hommes, mais c'est vraiment juste histoire de piller la province. Ouais. J'en doute pas. Les nomades, en ce moment, c'est justement le problème quand tu veux faire une World Conquest. Hein. Parce qu'il faut que tu les encercles pour pouvoir les éliminer. Sinon, ils se déplacent. Ils ont bien raison. Non, mais c'est chiant. Ça rend les conquêtes mondiales tellement plus longues. C'est hyper chiant, oui, on est d'accord. Mais bon, c'est légitime, on peut pas nier. Je crois que t'as un casus belli qui te permet de prendre tout leur territoire de tributaires. Ce qui les empêche pas de se déplacer sur un nouveau territoire vierge s'il est juste à côté de là où ils sont. Ah, ça je savais pas, ok. Alors, on n'a pas de trêve, mais par contre, il y a des gens dans la coalition. Zut. Spolette. Je gagne plus d'or là.
Hein, trop de dépassement des forces. Bon, bah, dès qu'on a ce qu'il faut, on y va. Ça sous-entend quoi que tu gagnes plus d'or par curiosité intellectuelle? Je suis à moins de 1000 par mois. Ah, mais on peut avancer par là. En bénéfice. Mais c'est juste parce que je dépasse de plus de 200 mon armée, quoi. Non, même pas 200. C'est les mercenaires, ça coûte cher. Non, il a repris sa vie, sa capitale. Il m'énerve. Ainsi que tous les forts. Je fais des forts un peu partout. Pour le plaisir. Je peux faire de ma vie, je suis fort. Bah, est-ce que je pourrais pas mettre une armée à demeure ici? Si, hein. On va faire ça. Unis dans la prière. Bah, bah les couilles, je prends les points. T'as bien fait. Le teuton, il est complètement occupé. Il est tout en blanc. Hein? Par l'Autriche. Tu parles. Ben non, pas du tout, c'est l'inverse. Non, 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 non. T'as tout ton territoire visible qui est occupé par le par l'Autriche. Après, je dézoome pas non plus beaucoup. Ouais, c'est ça. Là, ici, cette province. Je la vois. Bon, là, on va attendre un peu. J'ai attaqué à 9000 contre 55000 dans les montagnes. Et t'as gagné? J'ai failli perdre en tout cas. Ouais, ils ont tenu 2-3 semaines, le temps que les autres arrivent quoi. Les mecs ils sont motivés, hein, ils ont peur de rien. On en a marre de travailler pour le Vénitien. Si on perd toute notre réserve, ils risquent de nous licencier. Ah bah cool, on va faire ça. Parfait. Bon, tu le finis à l'Autriche là, ou faut que j'aille m'en occuper? Ouais, t'inquiète, t'inquiète, ça arrive. C'est dingue ça. C'est un peu long quand même, tout ça. Ah ouais, c'est un peu long, hein, je confirme. Perte de Toscane, ok. Ça se précise, on dirait. Il essaye même plus de fuir. Quand l'IA fait ça, tu sens que c'est la fin, quoi. Oui, les manufactures sont chez moi. J'en ai une. Tu l'as eu largement avant moi. Ouais, j'avoue, je me disais, il l'a plus eu. Clair, j'aime toujours de l'avoir. J'ai juste de l'avoir, ouais. Ouais. L'autre, ça triche. Il a l'info avant tout le monde. C'est pour ça qu'il ouais. L'a eu, en fait. Pour une fois que c'est pas toi qui triche. Oh, je sais pas plus que ça, hein. Je laisse faire le jeu. Il a assez cheaté comme ça, le jeu. Il triche pour moi. Petit âge de glace. Aïe. Ouais. Hop. C'est ça que je veux. Le froid là-bas. Tac. Tac. Bon, quand est-ce que tu la bouffes la transoxiane? J'en ai marre, chaque guerre elle est dedans là. Bah, j'attendais que tu défonces Fars et Mamelouk parce que j'avais pas envie de passer à travers tout ton pays pour y aller. Enfin, il y a Fars hein. Aussi. T'es sérieux? Quoi? C'est qui s'est souvenu? Putain, j'ai pas de Casbelli sur Fars. Complètement. Ici. Tac tac. Non, c'est pas. Mamelouk ça sera fait, mais Fars. C'est pas en cours. Je me débrouillerai. On va faire ça. Alors, Palaos. Toc. Hop. Toc. Bah, vous bougez le cul, les gars. Oh. Je vous demande de gérer les sièges de manière autonome, c'est que pour que vous alliez faire, hein. C'est donc clair. Ouais, mais là c'est beaucoup trop autonome. Ah ouais, c'est ce que je vois, ouais. Ils restent le cul sur leur chaise, ils veulent rien bien foutre, gérer de façon, voilà, de façon autonome, mais partiellement autonome, quoi. Quand ils ont envie, quoi.
Mais après, quand c'est trop autonome, c'est chiant. Ils ont besoin d'un guide. Il n'y avait pas d'atelier à Ravensburg, mais vous êtes sérieux? Ça arrive. Un petit oubli. Est-ce que je peux faire ma paix? De toute façon, il semblerait que non. Tu te 44, donc on n'aura rien pris au transoxien. Ouais, là, on va gagner. Ouais, quand même, faut raconter. Il y a vraiment trop de troupes, le transoxien. Il est vraiment pénible. Pourquoi ils veulent me donner la productivité? Ça me sert à rien. Pourquoi c'est productif? Qu'est-ce que tu veux que je foute de ces bonus? Et jamais content de façon. 4000. On le voit non, bien parce le. Parce que ça m'oblige à cliquer sans cesse. Il est jamais content le Slan. Bon, on veut juste ça. Des bons conseils. La réforme gouvernementale et conseillers disponibles. J'ai combien de conseillers disponibles? Quand je clique là, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. J'ai 8 conseillers disponibles. J'ai deux fois chaque truc. Ça n'a aucun sens. Ça va? T'es large? Ça n'a aucun sens. Et en plus, ils sont tous. Le plus vieux, il a 41 ans. Donc j'ai encore un peu de marge. On va s'ouvrir par ici. Oui. Notre empereur est un pleutre. Ah non, alors. Bye bye le Songhai, je l'ai enfin accès. Ah ouais. Bravo. Bravo. Bravo à toi. Et du coup, tes premières puissances mondiales, eh ben ouais, voilà, largement devant l'ordre teutonique. Première puissance, ah non, bah oui, mais non, mais il se compte pas dedans, lui. Non, bah non. Je suis la puissance zéro. Ah, Transoxian va peut-être vouloir sortir. Eh ben non. Va nous péter les parties. Prendre un petit coup de construction, moins 15%, ça fait du bien. C'est de la triche. Oui, alors, pas de diplomate à envoyer. Le pape, hein, le pape, on fait grand cas, mais. Quand est-ce qu'on les égouille, le pape, hein? Pour que leur teutonique puisse le relâcher comme vassal. Vous voulez zigouiller le pape? Comme ça, tu pourras le recréer. Tant que vassal. Ah non, ça va me filer un malus si je fais ça. Non. Tu dis des bêtises. La travec, je ne pourrai expirer. Ouais, mais deux secondes. Ah, mais c'est super pénible. Hein. Ah, mais c'est bien. Maintenant, je peux aller d'un bout à l'autre de mon pays. Est-ce que tu pouvais pas avant? Bah non, il y avait l'Autriche qui me gênait, qui était au milieu. Ah oui, t'avais pris des trucs, ça, de l'autre côté. Puis bon, je te rappelle que j'ai la Bourgogne quand même, hein. C'est mon pays. Ah, je vois que t'as changé tes modèles d'armée, maintenant t'es sur du 44. C'est pas mon modèle d'armée en tant que... 13 000 hommes, 21 000 cavaliers, quoi. Putain. La horde, quoi. Foutue horde. Ça met des baffes, hein. Ah ouais. Du coup, on attaque les paysans, quoi, là. Oh la vache, quoi. Tellement fait défoncer. Ouais, ils m'ont quand même fait perdre 6000 soldats. Hein. Ouais, enfin, ils étaient 44 000 en face, quoi. Je veux pas le savoir. Novgorod. Bon bah je rattaque la Transoxiane. Ah, surprise.
J'ai même pas eu le temps de sortir de chez lui, quoi. C'est Novgorod, ton nœud capital, Ardarine, non? Non, la Baltique. La Baltique? Ah, je suis à 110 sur 110 en absolutisme. C'est trop. Ah oui, mais tu collectes dedans, ok. Comment ça, c'est trop? 110 sur 110, ça fait beaucoup trop. Bah, non, c'est à 90 que ça s'arrête, c'est ça? Non. Non, non, je suppose. Ouais, jusqu'à 100. Y a pas de limite, jusqu'à 100. Ouais. Non, mais je me rappelais plus le bonus max de l'absolutisme, à combien ça s'arrêtait, si c'était à 100 ou si c'était à 90. C'est bien 100. C'est bien 100. Donc il me faut un truc qui me fasse perdre au minimum, enfin au maximum 10 points. Ouais, mais maintenant que t'es à 110, tu vas pouvoir régulièrement commencer à... Comment dire ? À apaiser dans tes provinces si t'as besoin. C'est vrai. Parce que je viens de faire absolument le contraire. Je les ai privés d'autonomie, les mecs, ils vont râler comme il se doit. Mais vous devez comprendre, c'est pour préserver l'absolutisme. En revanche, je viens de réduire la lassitude de guerre. Ouais, tu bon, comme d'habitude, après. Le Transoxiane me roule dessus. Ouf. La France qui se fait dépouiller, là. Elle se fait pas dépouiller. Ah non, c'est l'Alaska qui a lancé une guerre toute seule et qui se fait défoncer. Ah non, conquête portugaise. Non, non. Ils me servent de paillasson. Oui, bah du coup, ils se font dépouiller. Le paillasson du paillasson. Attention à tes conquêtes, je vais hein. Pas courir, tu prends rien dans la Louisiane, hein, parce que j'ai fait gaffe au Mexique. Sinon, ça va commencer à chier un peu. On va se brouiller. Ah ouais, mais les Hopis, moi, ça me plaisait bien. Ils sont en Louisiane, je crois. Ah ouais, ils sont en Louisiane. Hein. Ouais. Oh, Nuremberg m'a insulté. Ouh là 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 là. Insta défonçage. Même plus, il répond plus à mon avis. On bat les couilles. Je m'en bats les totonettes. Jusqu'à saliner. Ça y est, j'ai fini ma partie africaine. Je suis en train de finir ma partie arabe. Ah, t'as réussi à attaquer le même look finalement? J'ai fini le même look, je suis en train de faire Yémen à Dramout Farce. Je fais du petit nettoyage, quoi. Ouais, bah les quelques petits trucs que t'avais laissés que tu pouvais pas finir, quoi. Parce que t'étais trop faible. Ouais, hein. Voilà. Après, là, on va aller au Jaunpur. Ouais, je voudrais pas dire, mais le Bourguignon est en train de taper sur des fanatiques catholiques. Hein. Pas grave, son pays entièrement. Converti. Juste par principe. Ils étaient pas si fanatiques que ça. Ouais. Ils l'étaient pas assez, c'est pour ça qu'ils sont morts. Ils auraient vraiment été fanatiques comme il fallait, ils auraient pas pu mourir comme ça. Déjà. Ah. Les petits casus belli colonialistes qui tombent. Oups, c'est un 33%. Ah oui, je t'ai laissé les Assinets là, le haut. Attends, oh, et ses alliés. C'est trop gentil. Ben, techniquement, t'étais censé déjà les avoir en casus belli. Ouais, mais il y a des coalitions. Alors, tu comprends. Hein. On est obligé d'y aller oui. Tranquille, quoi. Ouais, vu tout ce que j'ai tapé dans le coin, à mon avis, tu dois en avoir moins dans la coalition. Bah, bizarrement, c'est les Européens qui sortent. C'est, ils sont, oulala, nos alliés des tribus. T'avais des. Dans le Mexique, t'en avais plein qui étaient dans ta coa qui sont sortis. Autonomie minimale dans les possessions, moins 10%.
C'est quoi ce Kesbelli? Endiguement de l'apostrophe. L'hégémonie. Ah, de l'hégémonie, ok, c'est ça. C'est contre moi, ça. Bah justement, oui, balles, c'est ma colonie, elle avait ça comme possibilité, ça me paraissait bizarre, quoi. Laisse-la faire. Non, elle peut pas. Parce qu'elle a pas la capitale dans la bonne région. Oh, elle qui voit. On peut toujours essayer. Ça coûte rien d'essayer. Bah, tu sais qu'elle avait aussi comme casus belli de m'attaquer moi. Et bizarrement, le jeu m'interdit de le choisir. C'est louche. Ouais. Moi aussi, je trouve ça bizarre. Et effectivement, je cheat Boudaf. Hein. Ah, ça va faire 8 mois que je suis en surexpansion au 133%. Et toujours pas eu le moindre petit plus 15 de séparatisme. Par contre, j'ai eu compagnie commerciale florissante, prenez 5000. Ah. Ouh, le petit cri du cœur là. Ah. Florissant, c'est florissant, hein. C'est ça. Est-ce qu'il y a des nœuds qu'on pourrait augmenter? Là, c'est à 2 seulement. Hop. Le commerce made in Scandinavie. Ouh, 2%. On doit pouvoir doubler. Non, je parlais des niveaux des carrefours commerciaux. Ah, pardon. Je disais aussi. Bien, alors, les hérésies. Bah, le problème des hérésies, c'est que Flan, il fait pas son taf, il conquiert pas en Hongrie. Bah, j'y vais en Hongrie, mais là, j'ai toutes mes troupes qui sont en train de se reposer. Je peux pas, voilà. La vérité, c'est que j'ai des conquêtes en cours, là, et que je suis à 132 de surexpansion, et que j'ai 300 points. Et que ta Hongrie est mon merde, voilà. Ta Hongrie est mon merde. Ça coûte la transaction, toi ? Bah oui ! Il était allié avec le Fars aussi, qui était allié avec le Yémen, qui était allié avec la Dramout. Du coup, quand tu coches tout, bah... Et voilà. Ah bah voilà. Mais je lui enlève tous ses alliés. Donc normalement, quand il aura plus d'alliés, il va arrêter de me... Ouais, hein. Voilà. Verdun, c'est fait. Oh non, la Dramout, il veut pas. Ça, ça dégage. Et manufacture qui coûte que 327, c'est bon, ça ? Dans le chanceux. C'est parce que t'avais des manufactures partout et t'en as partout dans ton pays, du coup t'as pas besoin de payer, c'est ça? Non, c'est le coût des constructions moins 15. Alors que j'en avais déjà un d'abaissement de coût de construction. Oh là là, qu'est-ce que je pourrais construire? Moi, je peux rien construire, moi. Pas d'atelier, pas de manufacture. Ah je non, peux même en gros, pas faire un fort. T'as payé plein pot ton institution, mais. Je l'ai pas payé encore. Ah d'accord. Ah, c'est construire une manufacture qui te coûte 300. Bah, les manufactures, j'en ai plein chez moi, mais bizarrement ça se développe pas vite quoi. Oui, c'est pas adopter l'institution qui te coûte 300 balles. Et une fois que tu l'auras adopté, là tu vas pouvoir. Le coût de construction. Tac. Normalement on peut faire des états. Voilà, je suis à moins 34,6 de coût de construction. C'est pas mal. Moins 35. C'est l'inflation qui me met dedans. Bah, moi, 35%, ça fait du bien. Ça dépend, il faut encore avoir des trucs à construire, déjà, hein, Quentin. Ça, c'est parce que tu conquiers pas assez que t'as plus de trucs à construire. Là, je vais augmenter mes relations avec le tout. Faut pas entendre. Mais c'est vrai que je construis pas assez. Le truc, c'est que j'ai pas d'idée de construction, quoi. Je sais pas quoi construire. On peut pas détruire les monuments et les refaire, par exemple, ça serait sympa. Ou je pourrais faire les monuments qui servent à rien aussi. Aïe, aïe, aïe. Le problème, c'est que la plupart des monuments que j'ai chez moi, bah, c'est dans mes colonies, en fait. Bon, je viens d'avoir mon premier plus 15% de séparatisme, ça y est. Ah bah, il était temps. Ah, on a dépassé notre plafond de gouvernance. Bon. On va se détendre un peu. Il va falloir faire des tribunaux. 1386 sur 1400, c'est pas mal, c'est pas mal. Tu le connais, ma gouvernance? Non, je... Zéro. 1217 sur 2062.
Tu veux connaître ma gouvernance? Ma grosse gouvernance? Tu veux la voir, ma gouvernance? Bah, oh l'autre, blague, il me fait perdre 43. Pourquoi il m'enlève 43 déjà comme ça de mon fric? Oh, ouais. Oui, ça fait déjà 30 minutes, ça mes chers amis. Ça fait déjà 30 minutes, tout à fait. Bien, et bah sur cette blague pas du tout scabreuse, je vous souhaite à tous une bonne soirée, une bonne journée. J'espère que l'épisode vous aura plu. N'hésitez pas à aller voir nos différentes vues sur les trois chaînes, à lâcher des pouces, des commentaires, etc. A très bientôt les gars. Ciao tout le monde. Bye bye.